qui saute pas n'est pas marseillais. Yeah. L'Olympique de Marseille. L'OM, champion de France, l'OM qui gagne la Champions League, les années 90. Ah, je cherche les cages, hein. Je cherche la lucarne. C'est Chris Waddle qui arrive à Marseille contre le Paris Saint-Germain. Il met un sombrero sur le gardien et une talonnade comme ça, là. C'est un but, le mec, il arrive, un extraterrestre. C'est quand on se fait voler le titre par Bordeaux. Tu vois, on devait être champion et il joue contre le PSG. C'était un match truqué. Franchement, Feinduno, si je le vois, je crois que je peux le taper. C'est Marseille champion. Quand ils sont champions avec Lucho González, Atem Ben Arfa, Mamadou Niang. Attaque. Ah, lucarne. Écoute, ça peut prendre une vie. Hein. Stade Vélodrome, les amis. Ça a été éprouvé. C'est sondages IFOP, c'est l'INSEE, c'est des bureaux d'études. C'est pas moi qui le dis. C'est la planète. Les gardiens, c'est Mandanda. La panthère, le chat, ça fait plus de 10 piges qui jouent à Marseille. J'ai beaucoup aimé, je vous dis la vérité, Gretz. Hein. J'ai beaucoup aimé Gretz, franchement il a chamboulé. Ronaldinho, vraiment Ronaldinho. Il y a Neymar qui est arrivé, mais Ronaldinho, ce qu'il a fait, il y a certains joueurs, ils s'en souviennent. C'est des ruptures de vertèbres, de reins, de... Moi, j'étais au stade à l'époque. Il avait dribblé l'équipe. Il avait envoyé Mdani dans un panneau. Il a traversé l'équipe. Il a traversé le stade. Olivier Thom. VAR. VAR. Pavar, le joueur. Deuxième, second poteau, Pavar. Les deux, hein. VAR. Les deux me vont, mais j'aime bien partager ça avec des potes. Écoute, ça dépend des matchs, ça dépend l'enjeu. Ça dépend aussi la mise que j'ai pariée. Mbappé. C'est Gabriel Enze. Peu importe qu'il soit à Marseille, qu'il soit à Paris, qu'il soit à Madrid, si le mec, il est là, il se donne, il se déchire. Ah, Chris Waddle. Hein. Coupe de cheveux, le mulet. Bon, après, il y en a plein. Il y a Djibril Cissé avec ses teintures. T'avais Taribo West aussi avec ses coupes bizarres. Mais là, le dernier des extravagants, le dernier des Mohicans, c'est Neymar. Encore là, il est soft, mais avec ses Iroquois, ses teintures. L'Olympique de Marseille. Pourquoi l'étoile? C'est pas moi qui le dis, pareil. C'est les études, c'est les statistiques, c'est l'INSEE, IFOP, Ipsos. Qui saute pas n'est pas marseillais. Yeah.